Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est HBenKan, quand vous allez moi perso, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un top 5 spécial Noob encore. Donc là, c'est aux couleurs d'HBN, mais aux couleurs provisoires d'HBN, vu que vous allez voir que c'est vite de la merde, parce que j'avais trop hâte de vous montrer cette vidéo. Donc c'est un peu fait à l'arrache, donc Code QG ne l'a pas accepté pour raison de qualité pas assez bonne. Bon, c'est pas grave, j'ai pas m'emmerder. C'est pour nous, voilà, c'est fini. Donc on va se retrouver dès que ma barre de chargement aura fini. À la cinquième place, ou là j'allais dire la première, donc avec un mec qui me fait pas mal chier, qui joue aux patates. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est Manatune et tout ça. Ouais, d'accord, c'est Manatune, mais regardez, il joue aux patates et il campe quand même pas mal, hein, vous trouvez ça? Est-ce que vous trouvez ça cool? C'est moi, j'adore, c'est génial, smack, tout ce que vous voulez, et en plus, il en est juste à côté, c'est pas grave. Par contre, ce que j'adore, c'est que là, c'est quand même. C'est qu'il a un maître, et son maître l'a bien aidé à progresser à ce niveau-là. Là, on le voit déjà en train de camper, son maître. Alors, je sais pas, après je dis ça, je dis rien, il a un capteur cardiaque, capteur de mouvement, il reste dans son angle, on voit un magnifique FAMAS lance-patate, donc on voit qu'il a bien formé son jeune padawan qui m'explosait aux patates pendant tout le long de la partie. Et là, on voit quand même un petit allié là qui a l'air de le voir, donc il va peut-être aller le chercher, on sait pas. Lui, il reste au fond de la carte, à un endroit qui ne sert strictement à rien pour camper. Il bute l'allié, c'est pas grave, on s'en fout, allez, ça passe quand même. Et là, il regarde à la fenêtre, donc là, je crois que j'ai fait un zoom sur le magnifique lance-patate, vu que c'est tout juste magnifique cette arme, FAMAS lance-patate, hein. Mais bon, voilà. Donc, aussi, on peut voir après cette chien patate, il va queuter. Bon, il a fait plusieurs fois. Non mais dites-moi, comment on peut chier ça? Attendez. Bon, pas grave. Quatrième place, ça me désespère. Quatrième place, donc on se retrouve avec un mec dont vous allez voir le gamer tag. Donc je veux juste dire, c'était une kill can un kill magnifique que je vous fais. Parce que je me fais buter en suivant par un RPG de merde, un swam. Pas grave. Alors, mais par contre, on le voit aussi. Qu'il aime bien camper dans les maisons, c'est son petit délire, hein. Et là, on va voir qu'il va faire le dernier kill sur moi, le monsieur, et qu'il va rage quitter. Il va rage quitter, faut pas voir la merdique qu'il canne. Troisième place, nous nous retrouvons avec encore une manette 1 qui va essayer de me buter aux patates. Il a réussi. Son maître lui a bien enseigné. Par contre, le maître, lui, il a l'air complètement pourri, hein. Il a réussi à lui enseigner sans lui-même savoir comment faire. La première vidéo, vous voyez un ennemi, je lui tire dessus, une patate qui passe à 30 mètres de ma tête. C'est peut-être parce que je lui ai tiré dessus, mais il fallait à peu près calculer. Mais la deuxième fois, bien pour lui, et il a bien réussi à me flinguer. C'est magnifique. Et là, on peut voir encore la deuxième manette. Il l'a formée au campeur, au campage, on va dire, au campage. Et il campe au lance-patate. Et par contre, je finis par flinguer. Deuxième position! Nous nous retrouvons avec un mec dont son gamer tag, vous aurez juste à mettre pause pour le lire, vu que j'ai un petit peu la flemme de le lire, désolé, sachant que j'arrive pas à le lire. Ah putain, je zoome dessus en plus, bon, pas très très grave, hein. Bon, vous mettrez pause là sur ça. Donc c'est un campeur intelligent qui bouge de place après m'avoir tué. Ça, c'est plutôt pas mal, donc il gagne sa deuxième place quand même parce que bah il bouge, donc logiquement c'est plus dur de le tuer, donc moi qui croyais qu'il était derrière son mur, je le tire dans le mur. Et là, il se dit, ah mais il va m'en marquer encore si je reste là. Bon, allez, on va encore bouger, hein, comme ça. Moi, je suis traité dessus dès que je vois un campeur, je vais essayer de le décamper par tous les moyens. Et là, je me dis, bah il est pas là, il doit être ici. Bonne pioche. Mais il est aussi très casse-couille parce qu'il se met aux endroits où j'ai l'impression qu'il sera jamais. Donc, et voilà, il va encore camper. Donc, j'ai mis en accéléré, c'était plutôt pas mal chiant. Et voilà. Donc maintenant nous allons nous retrouver à la première place. Donc là c'est le campeur le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. La pire campeuse de toute ma vie. Trois parties d'affilée, trois fois dans la tour. Donc je vous ai mis un extrait à chaque fois du mec qui campait dans la tour. Donc c'était en 3 contre 3 sur érosion. Il campait dans la tour tout le temps. Mais tout le temps, mais c'était insupportable, il nous tuait. Donc ses potes le couvraient en plus. Et ce que j'adorais, moi j'ai pris mon MP7 en or. C'est pas l'arme la plus dure du jeu, ça je l'avoue, mais j'y jouais et je m'amusais à tuer son ami Vodka ou je sais pas quoi. Et il faisait, ah oh, putain, le noob il campe.
tout le temps en mouvement, j'essayais de rusher à mort. Et le mec il dit que j'étais un noob à cause de mon MP7. Il avait la PP90 à main en or, j'ai rien dit, avec un RPG ou un FNG9 Akimbo en deuxième main, pas grave. On voit quand même le mec, bah vous arrêterez sur son gamer tag. Je lui ai envoyé même un message pour lui montrer cette vidéo, mais elle est magnifique, mais oh, j'ai jamais vu une campousse pareille, ça me donne même presque envie de mettre de la musique. D'ailleurs c'est ce que je vais faire un mini montage entre là et maintenant, et là, stop, go musique. Alors je sais pas, je crois que je vais mettre une musique bizarre. On va bien voir la musique que je vais mettre. On va... voilà. En tout cas c'est une magnifique campus, une magnifique race que j'ai essayé de décamper tout le long de la partie, des trois parties que j'ai faites. J'ai vraiment pété un câble avec ce mec. Il savait où j'allais, où je renaissais. Il m'explosait de partout, il n'arrivait à rien faire. Ma maman t'es sur la tête, ça n'arrive pas. Bon bah grave. Donc là j'ai fait quand même la TS4, mais vous voyez quand même qu'il campe plutôt pas mal de temps sur la château. Bah, je sais pas comment il fait par contre, tourner autour d'un carré pendant 3 parties, ça veut dire 30 minutes. 30 minutes autour d'un carré. Bon. Là, petit montage, hein, c'est la deuxième partie. On voit encore qu'il va camper comme une chienne, c'est quand même pas mal chiant. Donc vous voyez Gamer Tag de ses potes passer. C'est rien que pour le plus. En plus il est bien sûr. On leur disait pratiquement rien vu que mon triton était mort, donc enfin le truc pour parler est mort de mon triton, donc ça je parlais pas moi, donc je m'insultais, je pourrais jamais répondre, j'aurais fait un petit lol ou je sais pas quoi, un truc dans le genre, mais bon. Donc là on voit quand même qu'il campe. Alors il était au merde, G36C, viseur laser avec Omega et le truc bleu annexe ou un ex ou un truc dans le genre, le campeur. Ah ouais, mais il m'a marqué ce campeur tellement j'ai vu le Kilkan avant que je me souviens de son arme, hein. Je me souviens même de sa tête de con. Donc là on voit la Kilkan dans ma gueule, et là encore une autre partie où on le voit camper, mais c'est magnifique les gars et les filles, c'est génial. Donc là mon pote essaye de rester en mais il s'est explosé, mais là son pote trouvait qu'il était solo donc il vient l'aider, mais HBN et en ayant marre, a décidé de finalement aller le chercher. Je crois que je bute les deux au bout d'un moment. En plus, on voit son système de profit, c'est énorme. C'est seulement pour camper. Et merde, je crois que j'ai annoncé les potes qui arrivaient les deux en même temps trop tôt. Donc, il va arriver d'ici quelques secondes, son pote. Voilà, ils sont là les deux à camper. Et HBN passe par là. On peut même noter la magnifique arme, la Quick Furnace à main de RST ou je sais pas quoi, Reyes, Rhymid ou Nick, N-E-E-K ou je sais pas comment on prononce, N-E-E-Q, je sais pas comment on prononce, donc c'est magnifique, hein. On voit qu'il avait pas encore débloqué sa P90 en or comme l'autre, donc voilà, là j'ai eu mes atouts spécialisés pour ça qu'on voit avec le système trop fifi, clignote en rouge. Mais bon, c'est magnifique, c'est la pire campus que j'ai vue de ma vie, mais un truc de ouf. En plus, il devait se relayer à chaque fois. Et voilà. Donc j'espère que ce top 10 campus vous aura... top 5 campus vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo de ce top 5. Allez voir ma chaîne secondaire, s'il vous plaît, je la mets dans le lien dans la description. Et sinon, c'est dans ma subbox. Par contre, je vous connais, il n'y a pas de vidéo, c'est normal, ça prend 7 Go à mettre la vidéo. La connexion est merdique, donc je vais le refiler à mon pote pour qu'il puisse plus jouer à l'Xbox, comme ça, moi je suis tranquille peinard. Non, je rigole, il arrivera à la mettre et jouer en même temps, donc lui, je lui donnerai ça. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis bye à plus les gens.